Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle ouverture de la Neon Box du mois de janvier. Alors vous vous dites, waouh, ouais, c'est incroyable, deux box en deux mois, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est le turfu et tout. Et non, vous inquiétez pas, je suis pas au chômage, mais voilà, j'ai décidé de reprendre l'ouverture des boîtes qui me font le plus kiffer. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, ça m'étonnerait, mais la Neon Box, c'est une box avec des produits traditionnels, des produits des mangas, des produits dérivés, des choses comme ça, quelques snacks des fois, ça dépend. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai testé beaucoup de box sur la chaîne du même genre, parce que tout le monde s'est mis à faire des box, en fait, je sais pas pourquoi. Et en fait, celle qui m'a la plus plu, en fait, c'est celle-là. Et pourtant, c'est une entreprise française qui fait ça, qui est implantée au Japon, bien évidemment, ça vient pas de la France, sinon ça coûterait un bras et demi. Et en fait, ben voilà, c'est celle qui me plaît le plus, c'est celle que j'aime ouvrir, et c'est celle que j'aime partager. Donc, bonne vidéo à vous, et c'est parti. Pour l'ouverture, on se munit bien évidemment de la baguette magique du Yakuza. C'est parti. Toc. Pour ceux qui ne le savent pas, donc, je disais, Neon Box a ouvert il y a quelques mois maintenant un site de commande directe. En fait, on peut commander ce qu'il y avait dans les anciennes box ou commander des produits qui sont jamais, qui ont jamais été mis dans cette box. Et c'est là d'ailleurs que j'ai commandé ce petit Shonen Jump là. En fait, c'est Yata Japan. Donc, on avait eu un code promo là dans la box de décembre. Et en fait, j'ai commandé plusieurs fois et c'est vraiment sympa les produits qu'ils proposent. Hop. Alors, je vous montre le premier visuel de la boîte. On a un éventail avec le tigre parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'année du tigre. Peut-être vous le savez pas. Donc voilà. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit Pikachu. Là, je ne sais pas. Et là, je ne sais pas. Allez, on enlève le papier. On a une petite pub, 4 cadeaux encore une fois pour Yata Japan, dont je vous parlais avant d'ouvrir la truc, je savais pas. Voilà. Donc si vous voulez commander les produits, il y a certains produits qui étaient dans les anciennes box, dans les box précédentes, qui sont sur le site. Vous pouvez les commander à part. C'est comme ça que j'ai commandé des coupelles, par exemple, tout simple, de Pokémon, ou alors certains gachapon et tout ça. On a le petit fascicule qu'on lira à la fin, bien évidemment, parce qu'on va essayer de deviner des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette box? Je vois un t-shirt déjà, je vois un t-shirt incroyable. Le IQ. IQ, le sport, le manga sur le sport de volleyball, il me semble. Je suis pas fan, mais c'est sympa quand même, j'aime bien. Voilà. Premier objet, voilà. Petit objet là qui m'a intrigué, c'est ça. Je vais essayer de vous zoomer dessus. C'est des figurines Pikachu apparemment. Est-ce qu'on l'ouvre? Est-ce qu'on l'ouvre? Allez, on l'ouvre. Le mec, il faut 2 secondes pour se décider. Et c'est exactement ce qu'il y a sur la boîte. Je comprends pas. Ça sert à quoi? Ça sert à quelque chose? Non, pas forcément, hein. Ok. Non mais d'accord, ok. C'est une espèce de... C'est en plastique souple. Deux petits Pikachu comme ça, d'accord. Très bien. Ah, il y avait un bonbon. Le bonbon, je le mangerai pas, hein. Ils sont dégueulasses ceux-là. C'est mort. Ensuite... on a ça. Alors ça, c'est un snacks que je connaissais pas, que j'ai jamais mangé. Waouh. Apparemment c'est salé, c'est ça? Il y a des épinards, des trucs comme ça. Ok. Bizarre. On goûtera après. Parce que je suis pas bien sûr. Alors là je vois plusieurs choses très intéressantes. Hop. Notamment les petits, les Tsum Tsum japonais. Je sais pas c'est quoi le nom en fait. Doit y avoir un nom. Wakoloin. D'accord. Donc My Hero Academia. Je suis pas très fan de My Hero Academia, mais bon, pourquoi pas. Je connais même pas les persos en fait. Je viens de me rendre compte que en voyant les personnages, je me suis dit, mais putain, je les connais pas. J'ai pas très envie de l'ouvrir.
Ensuite, on a une énorme figurine inconnue. C'est qui ça? Corfoul. Si vous savez qui c'est, dites-moi en commentaire. Enfin, je le lirai dans le fascicule, mais je connais pas du tout. Ok. Le dernier objet, et je pense, c'est un petit bol. Il me faut l'assistance de la baguette magique des Yakuza, je pense. Voilà. Ah, c'est un bol à riz, je pense. Ah, c'est un bol à riz d'Aruma. Toc. Les Daruma, c'est... J'en ai un, là, d'ailleurs. Voilà. Daruma, c'est ça. C'est des petites statuettes en papier mâché, normalement. Qui peuvent être très très grosses, hein. Certains peuvent être très très grosses. Et en fait, elles sont réalisées dans le but de... En fait, les yeux sont pas dessinés. Ici, vous voyez les yeux. Et en fait, quand vous l'avez, vous faites un dessin sur un des yeux. C'est bizarre à dire. C'est pas ça, d'ailleurs. Et en fait, vous faites un vœu, et lorsqu'il se réalise, vous dessinez le deuxième. Et après, il y a des trucs à faire. S'il se réalise pas, machin, ok. En gros, c'est ça. Mais voilà, c'est un Daruma. Et je crois que c'est la forme d'un moine ou d'un sage. Je sais plus exactement l'histoire derrière. Voilà, super petit bol. Qui est, je pense, qui sera aussi disponible sur la boutique Yata Japan. Hein. Il n'y a pas de raison. Alors, tout de suite, on va goûter ces petits snacks, là. Alors, je vais prendre le blanc au hasard. Parce que peut-être c'est le moins risqué, j'en sais rien. Oh, putain. C'est dur. Alors c'est sucré. Et c'est un bâton de riz soufflé. Sucré. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ouais. Alors j'ai monté la figurine. Là, je sais toujours pas qui c'est. Et on va lire tout de suite le fascicule pour savoir ce qu'on aurait pu avoir. Voilà, je vous le présente ici. Alors, la figurine, c'est de Quintessential Quintuplette. C'est un animé que je devais voir, que je n'ai jamais regardé en fait, et je savais pas que c'était ça. Donc c'est l'une des persos, j'en sais rien qui, mais voilà. La figurine Pokémon Kids Pikachu Pika Pika. La saga Pokémon a fêté ses 25 ans en février dernier, pour l'occasion, aussi une figurine du Pokémon numéro 25 qui n'est d'autre que Pikachu. Ah ben oui. 12 figurines possibles au hasard. Et en fait, donc moi j'ai eu ça là, les doubles Pikachu. Le t-shirt IQ, on avait trouvé. Le bolari de motif Daruma. Donc là, il y a l'explication claire, si jamais vous n'avez pas compris tout à l'heure. Les Daruma sont des figurines emblématiques du Nouvel An au Japon. Il est d'ailleurs possible d'en acheter de toute taille dans les sanctuaires et temples à cette occasion. Pour vous en faire profiter au quotidien, voici un joli bol de riz au motif Daruma. Sur la partie extérieure, on peut lire Nanakorobi Yaoki. Tombe 7 fois, relève-toi 8. D'accord. Un proverbe japonais pour vous donner du courage cette année. Et il en faudra. Les espèces de tsutsum, là, c'est les Fuwako Rorin de My Hero Academia. Et donc, ce que je viens de manger, c'est okoshi. Les okoshi sont des snacks japonais traditionnels fabriqués à base de riz soufflé. Ceux-ci sont élaborés par un fabricant de Kyoto qui existe depuis 1890. Donc ça fait un petit moment quand même, voilà, le mec il sait ce qu'il fait. 3 saveurs différentes dans le paquet, prune, shiso, matcha et cacahuète. Un vrai délice en toute simplicité et typiquement japonais. Voilà. Plus la carte Yata Japan, voilà, tac. Pour les commandes, 1000 yens, voilà. Donc c'est sympa. Ici, vous avez le descriptif de la box, ce qu'il y avait à l'intérieur et tout ça. Accompagné de la petite photo du temple.
Et derrière, on a à la découverte du Japon, donc on va le lire. Tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Les proverbes japonais du Nouvel An. Ce mois-ci, dans votre box, nous avons placé un bol d'aroma sur lequel est écrit Nana Korobi Yaoki. Tombe 7 fois et relève-toi 8. Pour continuer de vous motiver le reste de l'année, nous allons vous donner une petite liste d'autres proverbes japonais en lien avec le Nouvel An. C'est parti. Alors, il y a l'écriture kanji et katakana et hiragana, je vais pas vous... Voilà, il y a la traduction à côté. Bon to shogatsu ga isho ni kitayo. Littéralement, ce proverbe veut dire « comme si le bon et le shogatsu arrivaient en même temps ». Le bon est... Ah, le bon. Je dis le bon en bon français, mais non, c'est le bon. Est une fête traditionnelle qui a lieu en été. Shogatsu est le nouvel an. Il s'agit de périodes où les familles se retrouvent et sont très occupées, notamment à préparer le repas pour ces festivités. C'est donc une expression utilisée pour dire que l'on est très occupé. Ok. Ichinen no kei wa gatan niari. Les projets de l'année entière se planifient le matin du nouvel an. Ah ok, c'est un proverbe utilisé pour dire qu'il faut toujours bien planifier les choses que l'on entreprend en avance. C'est un peu comme les bonnes résolutions et tout ça. Tsuita mochi yori kokoro mochi. L'intention est plus importante que le mochi fraîchement fabriqué. Cette expression se base sur un jeu de mots avec mochi employé à deux reprises, mais avec des sens différents. Kokoro mochi veut dire l'intention. Ce proverbe peut se traduire simplement par c'est l'intention qui compte. Un petit peu comme chez nous. Ensuite, Warau kado ni wa fuku kitaru. En japonais, Warau veut dire rire. Kado, la porte, et fuku, la chance, la bonne fortune. Cette expression pourrait donc être traduite littéralement par le bonheur vient dans le foyer de ceux qui rient. Une expression à retenir et à mettre en pratique tout au long de l'année. Ouais, c'est pas faux. Ensuite, Ichifuji ni takasan nasubi. Le mont Fuji en premier, le faucon en deuxième et l'aubergine en troisième. L'aubergine. Ce sont les choses qui portent bonheur lorsqu'on rêve dès l'âge avant. Surtout le premier rêve de l'année. Si vous rêvez du mont Fuji dans la nuit du 1er janvier, c'est la chance assurée le reste de l'année. Et si on rêve de l'aubergine... Je passe. Tanakara Bota Mochi. C'est une autre expression utilisée assez souvent, encore en lien avec le mochi. On pourrait la traduire par le bota mochi sort de l'étagère. Le bota mochi est un gâteau à base de mochi. Cette expression s'utilise quand on rencontre de la chance de façon inattendue, sans difficulté. Vous pouvez essayer de retenir une de ces expressions pour la ressortir à un de vos proches cette année. Je vais essayer d'apprendre celle avec l'aubergine. Sur ce, c'est la fin de cette ouverture de la Nyan Box de janvier 2022. On est en 2022, je vous ai pas dit bonne année. Ben voilà, c'est fait. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine box, qui devrait arriver en février, normalement, a priori, en quelque sorte. Et voilà, et sur ce, à ciao. Pika, 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 pika. C'est très bizarre de mettre ses doigts dans des Pikachu.